Oui. Et contre tes enfants, tu perds ou tu gardes? Ça dépend. Ça dépend. Ils sont bons, hein. Ils sont bons, les enfoirés. Salut Sarah. Salut Ben. Compagnie La Porte Ouverte, on est en ce moment au Bijou pour jouer à Mon Histoire Pressée, une adaptation des histoires pressées de Bernard Friot. Un jeune public à destination des 6 ans et plus. Et familial. Familial. Alors, si tu étais un jeu de société. Ah, je serais The Mind. Tu connais pas? On est à 4 autour de la table, à 4. Avec les cartes dans la main, on doit déposer les cartes au centre de la table. Alors moi, si c'était un jeu de société, ça serait beaucoup plus simple. Mm. Je serais un memory. Un memory? Un memory, parce que je joue avec ça avec mes enfants. J'ai toujours été mauvais au memory. Et contre tes enfants, tu perds ou tu gagnes? Ça dépend. Ça dépend. Ils sont bons, les enfoirés. Si tu étais un dessert. Si j'étais un dessert. Chocolat. Peut-être une banana split. Une épice. Du pain. du pain d'épices. Allez. Du gingembre. Non, moi, curry. Non, mais le pain d'épices nickel. Curry. Une salle de concert. Bon, ben, le Bijou, bien sûr. Ce serait peut-être la cigale. Ah, si t'étais une saison, ça. Bah, l'été. Ouais. Alors, moi, le printemps. Et qui va arriver, il me tarde. Ah bah tiens, destination de vacances. L'océan. Ouais, bon, j'allais dire la mer. J'ai l'impression que cette vidéo va faire des vagues. Un accessoire vestimentaire. Toi. Un slip un peu à la Superman. Un truc un peu... Bah tiens, alors, Superman. Un dessin animé. Jeanne et Serge, pour ceux qui ne lisent pas. Parce que c'est les prénoms de mes deux enfants. Alors moi, je serais Le Voyage du Chihiro. Oh. Oh. Très, très bien. Un super-héros. Superman. Alors, juste parce que j'ai vraiment envie de voler. Moi, je serais Batman, pour faire plaisir à mon fils. Batman, c'est bien aussi. Peut-être que je pourrais faire Robin. Comme ça, on peut faire Batman et Robin. Non? Si. Un instrument de musique. Alors, un saxophone. Parce que je m'y suis mis il y a quelques années et que c'est l'instrument que je pratique en ce moment. Moi, violoncelle. J'aurais bien aimé faire du violoncelle. Ouais, aussi. Alors, et dernière question, si tu étais le public du Bijou, tu irais voir quoi prochainement? Nicolas Jules, que j'ai déjà vu plusieurs fois. Et là, il vient avec un nouveau projet et j'ai hâte de le voir... sur scène. Eh bien moi j'irai voir le cabaret à la Rabiata parce que c'est super, je les ai toujours pas vus. En vrai on est content d'être ici, on est super content. Bon bah salut. Allez, salut, à plus.